Bonjour tout le monde, c'est Absolu Cario. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la magnifique Pokébox Dracaufeu. Voilà, je me la suis procurée chez Toys R Us, parce qu'ils ne les avaient pas la dernière fois, et là, ils avaient un peu tout mélangé, les Pokébox Amphinobi, il y avait les Florizarre, Dracaufeu, Tortank, Amphinobi, Gouplin, Gouplin, etc. C'était tout mélangé. Que j'ai réussi à les trouver, elles étaient cachées derrière les autres, et il n'y avait plus qu'une Dracaufeu, donc je me suis jeté dessus. Comme j'avais des bons d'achat, enfin, bref, j'avais des bons d'achat chez Toys, donc je l'ai prise. Hein. Donc elle est superbe. Donc petit Dracaufeu, on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc, vous connaissez un peu la box de toute façon, hein, avec les trois illustrations des box. Dracaufeu, Pokémon, Florizarre, Dracaufeu, Tortank, Pokémon. Bon, j'arrête. Et le magnifique Dracaufeu en relief. On voit pas bien, je vais l'ouvrir tout de suite. Voilà. Toujours le papier. Voilà. Donc la dernière fois j'avais ouvert la Tortank, mais je l'avais pas acheté au même endroit, donc on va voir. A priori c'est à peu près tout le temps les mêmes boosters qu'il y a dedans. On va voir ça tout de suite. On va déjà découvrir la carte promo. Elle est belle, franchement elle est belle. J'essaie de la sortir sans l'abîmer. Voilà. Bon, elle a quasiment rien, franchement. Plutôt en bon état, donc ça c'est cool. Elle est super belle. Hop, pochette. C'est les pochettes de secours parce que j'en ai plus. Magnifique pochette. Mais qu'est-ce que je raconte? Magnifique Dracaufeu. Il est nickel, donc c'est bien. Julien, t'arrêtes de faire des bêtises. Je fais tout tomber. Avec le petit code qui est moche, ça aurait pu mettre un petit Dracaufeu dessus. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? Je vais mettre le comme ça. Dracaufeu qui nous regarde. Eh bien, on a 3 points furieux et 1 étincelle. C'est bien, on n'a que des illustrations différentes. C'est plutôt cool. Je vais commencer par l'étincelle. Ça grince, dis donc. Voilà. Je vais commencer par l'étincelle. Et je finirai par les 3 points furieux. Comme ça, voilà. Hop. C'est parti avec le Méga Dracaufeu X. Et c'est parti avec un Laporeil, petit Laporeil, ok, j'essaie de mettre ça bien, Chenipan, Galvaran, Ponyta, Oppermine, si on le dit en anglais, la Pelle Rusée, j'ai pas l'impression qu'elle soit très très futée, mais bon, ma foi, l'œuf disque, le Seracrawl, un Brésillon, en reverse, c'est quoi? C'est un peu comme une reverse, ok. Et en rare, waouh, méga Dracaufeu. C'est, ah non, c'est pas. J'allais dire, c'est pas la secrète. Non, c'est pas la secrète. Méga Dracaufeu X. Ah, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Celle-là, je l'ai déjà. Mais franchement, elle est super belle. Je préfère celle-ci à aux deux autres Dracaufeu qu'il y a en dans les cartes étincelles. Mais j'ai toujours pas la méga X. Là, c'est le méga Y. Mais franchement, elle est trop belle, quoi. Ça fait plaisir, franchement, ça fait trop plaisir. Ah, pour une fois que j'ai un peu de chance dans une Pokébox. Parce que celles que j'ai ouvertes avant, franchement, à part le journaliste des combats qui me suit toujours, bah, j'avais pas eu grand chose. Donc là, ça fait plaisir, franchement. Ça remonte le moral. Sachant que c'est en plus la Pokébox Dracaufeu. C'est nickel, franchement. Allez, on s'ouvre les 3 boosters. Point furieux. Avec le petit Brutalibré. Ah, mais je suis en train de tout casser. Hop.
2, 3, 1, 2. Et on commence avec un Machoc. Ou Machoc. Posipi. Melofé. Evoli. Electek. L'énergie spéciale, énergie renforcée. Le centre d'entraînement. Mesmerella. Flingoust en commune reverse. Et on va Monaflémite holographique. Ça c'est cool. Je l'ai déjà. Sinon j'ai. C'est simple, point furieux, j'ai toutes les cartes. Sauf les ultras forcément. Mais sinon toutes les holographiques, peu communes, communes, j'ai déjà tout. Petit Monaflémite, ça fait plaisir. Allez, deuxième booster. Megascarino. Tac, 1, 2, 3, 1, 2. Et on commence avec un Polarume. Rattentif. Evoli. Bagiguan. Le Négapi. Point d'espiègle. La collecte d'outils. Ceinture Force. Donc deux dresseurs de suite. Un Boostiflore en commune reverse. Et en rare. Le Chapignon, qui fait une attaque de Street Fighter, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oh, Roquette, mange des croquettes, ou un truc comme ça. Qu'est-ce que je suis bête des fois. Et on finit avec le booster Mega Lucario. Allez, s'il te plaît, un journaliste des combats Full Art. J'en ai que 4 dans ma collection. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un à l'échange, un journaliste des combats, j'en ai. Hein. Que de toute façon je tire que celle-là dans Point Furieux. Allez. Dernier booster avec Scrutella, Makuhita, Xelang, Petit Art, Pareil Cool, Tyranidur, le Peignoir Scintillant, Vibranymph, Makuhita en commune reverse, ok. Et en rare, Ariyama. Ariyama. Je ne vais pas me retrouver en face de lui. Donc après Makuhita, Ariyama, bon, logique. Donc, pour résumer cette box, Dracaufeu, on a donc eu une holographique qui est Monaflémite dans Point Furieux. Et on a eu le méga Dracaufeu XY dans les boosters. Le booster étincelle, le seul booster étincelle de la box. Et ça, franchement, c'est génial. Plus, bien sûr, le Dracaufeu de la box. Donc, c'est aujourd'hui, c'est une journée Dracaufeu. Et ça, c'est plus que cool, hein, franchement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ça me fait très plaisir, franchement. C'est génial. C'est GG, comme dirait le prof Chen. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Et puis, je répondrai forcément à tous les commentaires. Et puis, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!